Hello tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Dargot. Et aujourd'hui, on est sur Chaos Domain, un nouveau jeu qui est sorti sur Steam. Comment dire, c'est un petit jeu, c'est un petit jeu d'action qui a été inspiré par les jeux d'action de l'époque, genre des Pro Protector et des Super Pro Protector. Donc là, c'est une version nouvelle, hein, mais qui est vraiment vraiment balèze quoi. Ça on retrouve les jeux de l'époque dans la difficulté. Donc je vais faire continue. Voilà. J'avance un petit peu donc. Ouais, allez, soyons fous. On va se taper le deuxième niveau. Hop, voilà. Alors le jeu, c'est pas compliqué, hein, c'est vraiment à l'ancienne. Alors il y a un bouton saut et un bouton tir. Voilà. C'est pas plus compliqué. Alors dans ce jeu-là, il n'y a pas de continue. Comment dire? S'il y a des continues, mais moi je suis en mode easy. En easy, on a des continues. Par contre, si on met le mode normal, c'est zéro continue. Donc là, il faut à moins de connaître le jeu par cœur. Donc c'est parti. Donc le jeu graphiquement, franchement, il est pas mal fait. Hop. Pour ceux qui ont joué à Super Pro Protector sur Mega Drive, vous reconnaissez le personnage loup-garou robotique là, qui était présent sur la version Mega Drive. Son Iron, il avait fait une vidéo dessus. Oh punaise! Oh, attention! Hop! Hop! Hop. Mais non, voilà, on se fait toucher, on meurt direct. Hop. Hop, hop. Ça nous redonne pas de la vie, mais ça nous redonne un espèce de petit. Un bonhomme. Comment dire, une vie en plus, quoi. Oh punaise! Ah, je m'y attendais pas. Viens là, toi. Voilà. Alors ça, faut faire gaffe, faut vraiment les péter de loin parce que si on se trouve là, bah ça nous pète à la gueule quand même. Hop. Bon là je peux pas l'attraper, il n'y a pas de double saut dans le jeu. Donc je suis niqué. Hop. Voilà, ça va. Alors, comme j'ai dit, hein, le jeu il est vraiment 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 balèze. Mais ça fait plaisir quoi, franchement ça fait plaisir de retrouver ce genre de jeu. Oh, je m'en vais, je m'en vais. Alors ce qui est bien c'est que si on... Ah là là. Bon voilà, continue. Si on va... Mais non, je voulais pas aller de l'autre côté. Oh putain de... Voilà. Si on fouille bien les tableaux... Voilà, on peut ramasser pour remonter le score. On ramasse des petits items là. Hop. Le jeu est tellement dur que... Il faut me faire un tout droit je pense. Alors le jeu il coûte pas cher, hein, il coûte 10 €. Après la vie aux amateurs. Oh putain. Non, oh, non. Oh là là. Oh merde. Bon, lui m'a shooté. Oh, on se casse, on se casse. Voilà. Comme ça on finit le tableau. Mais le jeu est vraiment 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 balèze. Mais sinon l'ambiance du jeu elle est sympa, hein. C'est très cyberpunk, les musiques sont... C'est assez rock'n'roll. Là c'est la difficulté quoi, c'est la difficulté. Hop, hop. Voilà, voilà. Hop, hop. Couillette, couillette indienne. Hop. Oh putain, mais tu l'as pas. Alors ça c'est vraiment comme dans les jeux de l'époque, hein, vraiment les jeux balèzes avec pas trop de continu. Bon ça va, là on a le mode easy ou quoi, mais... Merde. Non, non, non. Et j'ai pas l'arme. Tu veux pas, non? Tu veux pas? Bon tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Voilà. Non. Putain. On va pas m'emmerder. Hop. Voilà. Ouais, peut-être ça faut le péter. Non. Ok.
Ok. C'est des jeux. Putain. Oh. Ah non, tu m'auras pas. Voilà, hop. Et vraiment, sinon le jeu il est vraiment bien quoi. Moi franchement j'aime bien. Mais après, bon, moi, je préfère vous le montrer, je l'ai acheté direct. Oh, putain. Comme ça vous avez un... Oh là là, lui m'a chuté direct. Comme ça vous avez un bel avis quoi. Comme ça si vous aimez pas ce genre de jeu, voilà, claquez pas 10€ dedans quoi. Oh non, c'était électrifié, bon bah putain. Mais pourquoi? Putain. Oh là 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 là, je vais aller trop vite. Alors dans ce genre de jeu là, faut vraiment pas aller trop vite. Voilà. Non. Voilà. Non. Des fois j'ai fait à la one again. Ah par contre qu'on est trop près, ça qui est chiant. Qu'on est trop près. Oh là là. Qu'on est trop près, on peut pas taper au corps à corps. Donc faut toujours un peu reculer quoi. Hop. Non non, tu m'auras pas. Oh non, j'ai pas vu l'autre. Voilà. Ça c'est fait. Et voilà. Ah si, il y a vraiment un gros problème avec les explosions quoi là. Franchement, ça on... Merde. Hop. Non. Oh. Putain. Hop. Oh là là, je l'ai pas eu. Voilà, carrément. On peut avoir des armes. Des armes supplémentaires. Mais bon, faut pas fail comme moi. Faut ramasser les trucs. Oh là là, je suis dégoûté. Bon là c'est sûr, j'ai les continues, heureusement. Hop, ça récupère une vie. Donc on tourne à 3 vies. Donc en mode easy on a 3 vies, des continues à peu près à l'infini. On a un continu. Et si on claque le seul continu qu'on a, bah, ça nous fait retourner au début du stage. Donc ça va quoi, ça retourne, on retourne pas carrément au début du jeu quoi. Donc ça c'est le... Oh là là, le ninja lui. Allez. Oh non, j'ai tiré en même. Non, non, non. Bon, allez. Hop. Putain. Eh non, lui. Voilà, hop, on continue. Voilà. Oh là là, je voulais me retourner tirer directement, mais ça pas, ça l'a pas fait. Tombe. Voilà. Hop. Bon. Non, non. Hop. Putain. Tu m'auras pas. D'où je suis mort. Il m'a balancé une grenade. Voilà, attends. Voilà. Faut faire attention, mais il y en a un temps quand même. Voilà, enfin. Faut connaître le niveau par cœur, quoi, à peu près, quoi. Donc voilà, ah, enfin un deuxième élément. Bon, je vais faire vite fait un petit peu. Et après, je vais arrêter la vidéo, je pense que vous en avez assez vu. Bon, les décors par contre sont assez répétitifs, ça c'est un peu dommage.
Peut-être qu'après on a un peu plus de variété plus loin, mais bon. Oh là là, putain. Salaud, salaud. Bon, déjà les ennemis commencent à cogner. Il y a un gros là. Mais non. Ah, j'ai... ah ça c'est le problème. C'est faut se baisser, mais faut vraiment se baisser quoi. Si on fait une diagonale, et ben voilà. Donc des fois je vais aller trop vite et je suis là devant l'ennemi, je me fais éclater. Ah ah. Bien sûr on peut pas s'accrocher hein. Donc là il faut juste tirer là. On monte, on tire. Le piège à deux balles. Moi bon, j'ai pas. Hop, il y a une arme au-dessus, comme ça je vais vous faire montrer. Mais non, je me suis baissé. Oh, le level, hop, je prends l'arme. Donc là, logiquement, je tire plus fort. Ah, pareil pour descendre, hein, vous vous baissez, le saut, voilà. Comme à l'ancienne. On peut continuer. Hop. Mais non, là, 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 là. Oh là là, c'est... Je me fais ma rave, mais alors méchamment... Bah ouais, bah ouais. Ça, on y va la sauvage. Donc voilà les amis. Voilà, sur ce, je vais vous laisser là. J'espère que le petit jeu vous a plu. Si vous l'avez eu sur Steam et que vous avez hésité à l'acheter, bah là au moins vous avez un aperçu. Donc le jeu il est super balèze, hein. C'est, et c'est un bel hommage franchement pour les pro protecteurs ou les super pro protecteurs. Voilà les amis. Donc là-dessus je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à plus tard. Allez bye.